C'est le Bono. Dimanche 11 janvier a eu lieu la marche républicaine en hommage aux 17 victimes de la vague d'attentats. Le journal hebdomadaire du lycée Gauguin titre aujourd'hui sur les événements dramatiques qui ont touché la France la semaine dernière. Les élèves de terminale S ainsi que leurs professeurs ont une analyse pertinente sur ce qui s'est passé et comment ils le perçoivent. Il y a souvent des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Que justement, si on reprend nous à l'échelle locale, il y a environ 300 musulmans qui vivent en Polynésie et qui ne posent aucun problème. Donc il ne faut pas rentrer absolument dans cette opposition qui devient idéologique et dogmatique. Si certains élèves ne comprennent pas trop les éléments qui ont permis aux terroristes de passer à l'acte, d'autres ont un avis très clair et très argumenté. Je pense d'un côté qu'ils ont été manipulés à cause de leur manque d'éducation sûrement, leur milieu social. Et il ne faut pas non plus les prendre à la légère. C'est ce que je dis, il faut prendre cet acte comme le début peut-être d'une vague d'attentats en France. Plus que le journal qui a été touché et ces personnes qui ont été tuées, c'est la liberté qui a été touchée, la liberté d'expression, les journalistes qui font leur travail. Et c'est ça qui est plus important que le fait d'être Charlie et que ce soit précisément ce journal-là, même si c'est celui-là, parce que c'était celui qui censurait peut-être le moins ses propos. Et il en va de même à l'université où, lors du cours sur les relations internationales, le professeur et politologue Semir Alouardi évoque le terrorisme et ses conséquences. Pour ce qui concerne mon cours, en fait, c'est dans le cadre des relations internationales. Je commence tout doucement par les États, les organisations internationales, puis après j'arrive sur des chapitres qui concernent l'actualité internationale et j'aborde, c'est à peu près vers le mois de mars, j'aborde justement le terrorisme à ce moment-là. Ici, les jeunes sont plus touchés par le fait que l'on s'en prend à la nation et on est plutôt contre ici, contre ces idées-là. Même à l'extérieur, les élèves évoquent encore les derniers événements et sachez que mercredi, une minute de silence sera observée à la demande du pays dans l'ensemble des établissements scolaires du